My goodness, nous aussi on t'aime. Route iconique de M'Kolo. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Mais alors les gars, aujourd'hui c'est une des meilleures vidéos que j'ai jamais faites sur Euro Truck Simulator 2, la tête de Wham. Je suis trop content. Aujourd'hui on est de retour sur Grand Utopia, c'est une vidéo hors série, d'accord. Je vous avais promis que je quitterais pas Grand Utopia dès lors où il y a des mises à jour. Eh ben écoutez, my goodness, il déchire tout. Le mec, il a reproduit Gérard Maire. Il a ajouté Gérard Maire, les gars, c'est n'importe quoi. Les gars, on a découvert précédemment, Krautergersheim. Il a fait une route à mon nom, ça me fait très plaisir. Krautergersheim, c'est dans ma région, les gars, d'accord. Gérard Maire, j'y vais, j'y vais tous les 4-5 mois. J'ai trop hâte d'aller voir ça. On se fait une livraison en plus à partir de Rombas sur une route ici qu'on n'a jamais découverte. Hein, forcément, c'est nouveau d'ailleurs, donc c'est normal. Et en plus, on va transporter des décorations d'Halloween. Alors, on les voit pas, hein, bien évidemment, mais on transporte, regardez, voilà. Halloween décoration, 2 tonnes. C'est incroyable. C'est une mission rapide et on est dans un Scania qui est très joli. C'est la folie quoi, c'est la folie. Normalement quand tu prends une mission rapide t'as un camion nul. Non mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Bon bah voilà, donc je suis très content les amis. N'oubliez pas le pouce bleu un maximum, faites péter pour cet épisode hors série. On va kiffer hein. On va kiffer tous ensemble, on est parti. Et j'ai trop hâte. Est-ce qu'il y en a là les gars qui habitent dans les Vosges? Dites-moi dans les commentaires. Eh, manifestez-vous là les Vosgiens. C'est votre moment. Si vous habitez à Gérard Maire aussi, c'est votre moment. On n'était jamais là hein. Ça ne me dit rien du tout. C'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé pour le coup. Par contre, un truc que j'ai pas encore fait et que je vais faire de ce pas. Je suis désolé, je le fais en direct. J'aimerais régler le siège. En ce moment, j'aime bien faire ça bien. Genre réaliste et du coup, être reculé et en hauteur. Genre bien haut pour bien voir. La vue un petit peu en bas et le POV un peu plus comme ça. Voilà. J'aime bien faire comme ça. Attendez le volant, il va me déranger. Attendez. C'est juste pour qu'on voit les clignotants quoi. On les voit les clignotants? Oh là, pardon. Je voulais pas exagérer par contre le FOV, je suis désolé hein. Attendez, je fais juste ça en direct. Ah oui, j'ai un peu exagéré, j'avais pas vu ça comme ça. Voilà. Là, on est pas trop mal. Laissez-moi juste recentrer la caméra. Voilà, là normalement, on est pas trop mal. Ok. On voit pas grand chose hein. Désolé le motard, merci à toi. Allez, on est parti les gars, ça va être trop bien. Et j'ai hâte les amis de voir tout ça, de voir Gérard Maire, comment ça a été fait. Évidemment, alors juste qu'on le rappelle, Grand Utopia c'est une map à échelle 1-1. Mais c'est pas reproduit forcément, tu vois. En fait c'est une map qui s'inspire de la France. Il y a des noms de villes françaises du coup. Mais c'est pas pour autant que c'est exactement... le truc hein, donc ce sera pas... Déjà il y aura pas de lac, il y aura pas le lac de Gérard Maire parce que ce sera l'océan, ça c'est ce que je sais. Mais on va voir comment ça va rendre, est-ce que on va avoir un peu un feeling... oh là, je me suis peut-être un peu vautré là. Est-ce qu'on va avoir un feeling de ressenti comme si on était à Gérard Maire? C'est ce qu'on va voir, je vais vous le dire, ceux qui connaissent vous allez me dire. Et c'est surtout les petites routes en fait qui vont être très sympas parce que à Gérard Maire, enfin dans les Vosges en fait en général les gars, s'il y a des motards vous savez hein. Les motards, on se comprend, les Vosges, c'est la base hein, pour faire de la moto. Et clairement, les petites routes par là-bas, c'est juste insane. C'est juste insane. Je te double par la droite, y'a quoi? Je suis un thug. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo encore une fois. Et voilà, on se met très très bien. On va découvrir Gérard Maire. Évidemment, je vais continuer. Hey, c'est ça ce qui est rigolo, c'est que j'ai arrêté Grand Utopia pour lancer la nouvelle série en pro mode. Si jamais vous ne la regardez pas, n'hésitez pas à aller checker. En gros, c'est le DLC Iberia. Je suis en train de visiter tout l'Espagne, tout le Portugal. J'ai fait un épisode et un live. Et là, on est de nouveau de retour sur Grand Utopia. C'est rigolo, hein? Mais après cette vidéo, il y aura de nouveaux pro mods, je vous rassure. D'ailleurs, si vous voulez regarder la rediffusion de mon live, n'hésitez pas. C'est sur ma chaîne YouTube secondaire, M'Kolo TV. Voilà, vous tapez juste sur YouTube M'Kolo TV. Je mettrai en description, tout simplement. Vous savez quoi, ce sera plus simple. Ne vous embêtez pas. Ne vous embêtez pas, je vous rends la tâche plus facile. M'Kolo TV, rediffusion de live. Et comme ça, vous pouvez voir, je crois que c'était 2h30 de live. Où on a un petit peu roulé en Espagne. Et c'était vraiment très, très, très sympa. Le rétro est mal réglé à droite, hein. Bon, on va s'en sortir, mais... C'est pas qu'il est mal réglé, c'est qu'il est... Il est bizarre. Ils sont bizarres, les rétros, ils sont tout petits. Ils sont tout petits, les rétros, c'est chelou. Bon, bah, ma foi.
Bon, Halloween c'est terminé, hein. Juste qu'on soit bien d'accord, Halloween c'est terminé. Mais on va dire que... Tu me fais passer par où là? Tu me fais passer par où, mon frère? Non, t'exagères là. T'exagères. Là, ça passera pas. Ça passe. Non, mais t'exagères là. Non, mais là, ça passe pas. Bah, ça peut pas passer. Bon, enfin, si, si, je pense que si on s'en... Si on fait ça bien, c'est plus facile. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi serré, hein. Ça, ça me fait kiffer, hein. Je vais pas vous mentir, Grand Utopia, ça m'avait manqué juste pour ça. Ah ouais, non mais là, c'est chaud. Ah ouais. C'est chaud de ouf. Je m'y attendais pas du tout, là, pour le coup. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, on va dire que c'est les invendus. Voilà, c'est les trucs qui ont pas été vendus à Halloween, et là, on est en train de les ramener à Gérard Mer, tiens, voilà. Très bien. Ah, j'étais pas prêt pour ça. Mais en vrai, vous allez m'excuser, hein, je l'espère, mais je vais quand même augmenter le FOV. Parce qu'on voit pas trop dans le rétro et c'est ultra chiant en fait. Voilà, bah en fait c'est comme avant. Voilà. Ah, c'est bien mieux. C'est bien mieux, j'aurais dû mettre ça dès le début. Allez, 70 km/h. On en a rien à foutre. Là, il faut que j'aille à gauche. Ah, mais j'ai le motard qui me casse les... Voilà, c'est bien. Il a compris. Ça, c'est des bons motards. Il a exprès accéléré parce qu'il savait que je voulais aller à gauche. Merci mon frère. Vive les motos, vive les motards, vive nous. Vive nous-mêmes. Vive la moutarde aussi, très important la moutarde. C'est très très bon, enfin moi j'aime beaucoup. Bah voilà. C'est tout pour ma blague. Si vous vous demandez pourquoi, je suis très excité, hein. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un micro secondaire sur mon casque, je vous rassure, je ne l'utilise pas en vidéo, pour être très honnête avec vous. Mais c'est quand je suis en déplacement ou quoi, c'est super pratique. Et en fait j'en ai trop marre de l'enlever, de le remettre. Du coup bah je le laisse. Voilà, je le laisse comme ça, j'ai juste à... Bah, j'ai rien à faire en fait. À chaque fois que je pars et que j'en ai besoin, bah c'est cool, c'est pratique. Voilà. Vous savez que j'aime bien ne pas m'embêter. Donc je ne m'embête pas. Voilà. Pourquoi se compliquer la vie? Ok, un péage. Un péage, c'est pour prendre l'autoroute pour aller dans les Vosges. Ah, je reconnais, hein. Je reconnais. On va rester ici. Ah, j'aurais pu prendre à droite en fait. C'est pas grave. Ah, mais y a pas de barrière. Trop bien. Mais c'est moi ou c'est ultra serré là? J'ai l'impression qu'il y a tout qui est ultra serré. Ça doit être un effet avec le POV là que j'ai mis, je sais pas. Le fait que j'ai mis le champ de vision, je sais pas. Mais ça me paraît serré. Là c'est large par exemple, tu vois. Là je suis d'accord. Mais dans le PH ça me paraissait ultra serré. C'est pour ça que j'aurais dû prendre à droite, je pense. Je suis peut-être pas l'un des meilleurs, hein. On va pas se mentir. Il y a même plus de bande d'arrêt d'urgence, frérot, c'est quoi ça? Bon, on est déjà passé par là, a priori. Je pense en sens inverse, non? Parce que là, ça me dit rien pour le moment. Ne pas oublier qu'à tout moment, il y a des routes qui ont changé, forcément, puisque du coup, bah, c'est une nouvelle mise à jour, hein, c'est la 1.12. La 1.12, si je ne m'abuse. Je mets, encore une fois, comme à chaque fois, excusez-moi, en description, le site de grandutopia.fr, comme ça, vous pourrez également télécharger et faire la mise à jour. Si ça vous intéresse, évidemment, il faut avoir tous les DLC pour avoir accès à Grand Utopia. Le téléphone au volant, c'est interdit, hein. Je voulais quand même juste vérifier quelque chose. Mais c'est interdit. Ne le faites pas. Même si tout le monde le fait, ne le faites pas. On se comprend, on se connaît, d'accord, hein, les petits snaps au volant, là. Je vous vois, là. Je vous vois, les gars. Et les meufs. Les meufs aussi, bien sûr. Encore plus les meufs. Non, non, je rigole. Je rigole. Eh, c'est vrai, c'est la différence entre les snaps des mecs et les snaps des meufs. Les mecs, quand ils font un snap en voiture... Ils montrent devant. Les meufs, quand elles font un snap en voiture, elles font un selfie. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Bon, dans tous les cas, ne faites pas de snap au volant. Mais j'ai dit une petite part de vérité, hein. Ah, je... La vérité est ailleurs. Bon, ben voilà. Attendez, on va peut-être mettre le régulateur. C'est pas qu'on commence à se casser les couilles, mais tranquille. Voilà, regardez, je peux lâcher le volant, je peux lâcher les pieds. Là, on est très très bien. Je suis dans une Tesla. J'ai fait cette vanne 40 fois au moins. Mais ah non, ça ne tourne pas tout seul, c'est bien dommage. Pourtant je pensais avoir activé l'autopilote. Faut que j'aille à gauche. Angle mort. Bon, on voit rien de toute façon. Oh! Mes frérots! Waouh. Par contre ça n'arrive pas dans la vraie vie, et heureusement pas comme ça. Tu t'arrêtes pas, tu te décales, tu ralentis, mais tu ne t'arrêtes pas instantanément. Normalement t'anticipes un petit peu mieux que moi, hein. Ça c'est encore une autre histoire. Gérard Mer. Ah, c'est trop stylé de voir le panneau Gérard Mer déjà. Ça, c'est ouf.
Mais j'avais vu ça à l'époque, en plus c'était sur le Instagram de Grand Utopia ou de My Goodness, je sais plus, qui disait que comme quoi il y aurait Gérard Maire bientôt. Et ça faisait un moment que j'avais vu ça, j'avais trop hâte. Et on y est, ça y est, voilà, on y est, et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. On va se reprendre un péage ? Non, ça c'est pour l'autre route, ok. Très bien. Hop ! Voilà, voilà ! Ça c'est dit, c'est fait. Mais en tout cas, voilà, pour revenir un petit peu, j'en profite, parce que je pense que c'est la même communauté qui regarde ProMode et qui regarde cette vidéo-là. La scène. Ça c'est la scène, ça ? Excellent. Ouais, pour revenir, le dernier live que j'ai fait, le retour de mes lives finalement, le live que j'ai fait sur Eurotruck, mais je suis tellement content les gars, je suis tellement content, ça fait tellement du bien de reprendre les lives très sincèrement, genre les vrais lives où tu games sur Eurotruck, du coup c'était que un bonheur, vous étiez tous gentils, tout... enfin voilà, c'est... non mais c'est vrai, parce que j'ai eu des mauvais souvenirs quoi à une époque, donc ouais, c'était super sympa, j'étais pas fatigué, après j'ai un nouveau setup, je me suis un peu mieux installé qu'à l'époque, donc même les lumières et tout, bah, elles me font pas mal aux yeux, même si ça m'éclaire très bien. Enfin, je suis vraiment très très bien et c'est un plaisir de jouer le soir en live. Alors, pas tous les soirs, attention, mais ouais, de temps en temps, faire des lives, c'est super cool. Donc voilà, soyez vraiment bien au courant. J'essaie de vous mettre à l'avance quand je prévois un live. Et à chaque fois, il y a les rediffusions sur la chaîne Mkolo TV. Donc voilà, ça fait plaisir. Là, je vois un camion à l'arrêt, mais c'est dans le sens inverse. Ah bah, c'est un contrôle. Un contrôle. Waouh, la bagnole. Allez, 4 km avant l'échangeur. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Personne ne sait comment ça s'appelle, ce genre de choses. Et il faudra que je sorte à droite. Donc on va rester ici. Direction. Mais non, Gérard Maire, c'est à gauche. Ah oui, non, mais j'ai rien dit, il faut que je reste à gauche en fait. Faut que j'aille à gauche, oui. Excusez-moi, hein, je me suis peut-être un peu enflammé. On n'y est pas encore. Mais il faudra que j'aille à gauche. À l'embranchement. Voilà, et à 2000 mètres on a Granville. Granville où nous y étions déjà. Donc jusqu'ici normalement on connaît. Après pour être très honnête, là c'est de l'autoroute. Entre nous, voilà, ça, je me remémore pas forcément cette autoroute parce que ça reste une autoroute et que c'est un petit peu terrible. Mais on se croirait vraiment chez nous hein, par contre. Hein. Ça c'est toujours aussi sympa. C'est toujours aussi sympa. Bon, j'ai jamais vu ça au bord de l'autoroute chez moi, mais. Bon ben voilà, on est très très bien. Oh si, cette grande ligne droite, je m'en rappelle par contre. Mais je crois que c'était en sens inverse, hein. Je sais plus. Je ne sais plus. Bon ben voilà, y a pas de trompe sur ce camion. Bah non, évidemment, je suis complètement con. Puisque c'est une mission rapide. C'est tellement bien. Franchement, le combo Gérard Maire, livraison sympa, camion sympa, le tout dans une mission rapide, c'est quand même... Ah bah ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir. C'est écrit quoi? Oh putain, j'arrive pas à lire. Je suis aveugle. C'était trop flou. C'est dommage. Nickel. Et par contre, arrêtez de me spammer là. Ah bah tiens, ça fait des snaps en voiture. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Là, il y a une route là au-dessus en parallèle. Laissez-moi juste faire une petite pause pour aller regarder où c'est que c'est. Est-ce que c'est une nouvelle route? Non, je pense qu'elle y était déjà. Et encore, ça me dit rien. Ah ouais, donc on avait déjà pris cette route là en fait, puisqu'on l'a pris dans ce sens. Et à partir de là, donc on va prendre l'embranchement à gauche. En tout cas, on va rester sur la route. À partir de là, on ne connaît pas. Voilà. Mais là, c'est un peu con parce que c'est de l'autoroute jusqu'à Gérard Maire. Mais une fois qu'on sera à Gérard Maire, les gars, je pense qu'on fera le tour en camion si jamais on voit pas tout. Si on arrive à Gérard Maire et qu'on arrive à avoir une belle vue, ça suffira. Mais si jamais on voit rien en arrivant et en terminant la mission, et bah à ce moment-là, on prendra notre camion, on ira à Gérard Maire avec un TP rapide de nouveau et on fera un petit peu le tour pour voir tout ce qu'il y a. Je pense que ça peut être assez intéressant. C'est stylé ça. Love you. Mais non, c'est trop mignon les gars, ils ont mis Grand Utopia Love You. Enfin, ils ont. Il a. My goodness, nous aussi on t'aime. And vive la France. Mais oui, mais nous aussi on t'aime. Ah, ça fait zizir, ça fait zizir. Eh ben gros big up à My goodness. Incroyable. Incroyable, incroyable. Il aurait pu rajouter un panneau, abonnez-vous à la chaîne de Mkolo, mais bon, ça c'est... Oh non.
Oh non, il y a une déviation. Il y a une déviation, ta mère. Genre. Par contre, t'es sérieux, toi, tu me passes devant comme ça? Genre, il y a une déviation. Non. Oh bah c'est bien. Non mais en vrai, c'est bien. Eh, on va pas se plaindre. Au moins, on fait pas de l'autoroute, là. Mais alors, la question, est-ce que c'est un événement aléatoire? Ou est-ce que c'est My Godness qui a mis ça? C'est une bonne question. Ah bah non, en fait, il y a même pas de déviation. On va juste faire le tour, là. Ah bah ça va. C'est une bonne question. Si tu passes par là, My Godness, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir l'accident qu'il y a eu. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Ou est-ce que ça fait partie des événements aléatoires dans les paramètres du jeu par défaut, quoi? Voilà, ça, j'aimerais bien savoir. Oh bah c'est bien, on se prend des petits virages là. Saturne, Saturne, Saturne. Non attends, il va pas nous faire faire demi-tour et tout, la flemme. Oh la flemme. Attends, attends, on va vérifier le plan là, qu'est-ce qu'il nous fait faire? Ah ouais, il veut nous faire faire demi-tour là-haut là, sans déconner là? Pour après qu'on arrive là et que... Oh la flemme. Oh la flemme de ouf, y a pas un... Ah voilà, on va faire ça plutôt. Parce que... Attends, comment on enlève... Voilà. Ah non, non, non. Dans ce cas-là, si on va là, on assume et on prend des petites routes. Et on passe par Stelmar. Oui, eh, vous serez tous d'accord avec moi. Voilà, et là c'est bien. Parce que du coup, on va prendre une départementale. Voilà, ça c'est bien. J'ai bien fait d'avoir vérifié parce que, eh, faire demi-tour et tout ça juste pour ça, c'est complètement con. Donc autant quitter l'autoroute, et comme ça on va avoir de belles routes aussi, découvrir, bah c'est nouveau en plus, c'est une nouvelle route, alors autant en profiter. Autant en profiter, bon l'autoroute aussi elle est nouvelle, mais bon l'autoroute c'est l'autoroute, hein. On va pas changer ce que c'est. Hein. C'est un peu l'enfer quoi. Non ça va être sympa, ça va faire du bien. Ça va faire du bien de ouf. Oh bah ça fait plaisir. C'est écrit quoi là, vite vite vite. Rivière Lulric. Je vous jure j'arrive pas à lire. Alors forcément vous pouvez mettre pause sur YouTube, mais du coup moi je peux pas mettre pause, mais j'arrive pas à lire, c'est terrible. Ah c'est la rivière qui passe là. D'accord. On a pas vu grand chose. Sympa hein. C'est vraiment, il fait un taf de malade les gars. Et rappelez-vous que, surtout très important, rappelez-vous que c'est gratuit. Hein. Il vous fait pas payer. Hein. Air du Cantal. Ah le Cantal. Ouais on est déjà passé par là. On est déjà passé par là, bah oui jusqu'ici on connaît. Il nous fait pas payer. Alors faut payer les DLC mais lui ça lui revient à rien. Donc vous pouvez même le récompenser etc. en faisant des donations sur son site. Voilà alors je c'est pas un appel au don mais si jamais vous voulez vous pouvez. Voilà, il m'a pas demandé de vous le dire hein. Là c'est de moi même je le dis parce que je le sais. Parce que j'ai vu qu'il avait il y avait moyen de lui faire des donations. Mais du coup voilà. Parce que quand même faut rappeler que tout ça c'est gratuit quoi. Tac 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 tac. Ouais on est déjà passé par là non? Ah oui c'est blanc. On est déjà sorti ici une fois. C'est trop cool, on va quitter l'autoroute. Et ça c'est très très français ça. Les aires d'autoroute comme ça là, où il y a dans tous les sens, ça me fait trop plaisir de voir ça. J'ai envie de repartir en vacances là tu vois. Quand je vois ça là, c'est ça me fait penser aux vacances. C'est forcément quoi. Ta-ta-ta-ta-ta. Mais attendez, du coup, moi je comprends pas. Juste, je vérifie juste jusqu'où on est déjà allé. On peut pas enlever le point rouge. Mais putain, c'est pas vrai. Ah voilà. Ah, on est allé là et on a tourné ici. Ah, mais oui, souvenez-vous. Et c'était quand on était passé par une petite route ici. Ouais, ouais, c'est ça. Donc à partir de là, on ne connaît pas. À partir de là, tout ça, on découvre. Yes! Ah, j'aime bien quand même regarder tout ça. Comme ça, on sait exactement à quel moment on découvre et à quel moment, voilà. C'est quand même plus sympa. Après, peut-être que vous découvrez aussi parce que vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos ou parce que vous connaissez pas Grand Utopia. Et dans ce cas-là, bah, c'est génial. Et comme ça, on découvre tout. Mais enfin, vous découvrez tout. Mais là, on va bientôt découvrir à zéro. Et ça, c'est cool. Quel bonheur. Quel bonheur de rouler en automatique aussi. Ça, c'est quand même... Ça fait du bien quoi. Le pied gauche il est en détente. Il est en train de masser le dos de quelqu'un qui est actuellement à genoux en tant que repose-pied. Pas du tout, pas du tout. Salut motard. J'arrive un peu vite là.
Eh, ça me dit rien ici. J'avais jamais vu la maison en face. En tout cas, j'ai jamais prêté attention. Peut-être que c'est nouveau, mais je pense pas. Par contre... Voilà. À la bonne heure. Route iconique de M'Kolo. Quoi? Encore? Attendez. Attendez. Luluric. Ah voilà, donc c'était bien. Non, Luluc, la rivière. Ça s'appelle Luluc. J'ai vu route iconique de M'Kolo là? Mais je suis... Mais je suis déjà moi près de Grottaergersheim, non? Bah ça fait plaisir, je sais pas si ça a été fait exprès, mais merci beaucoup. Ou alors j'ai mal lu et j'ai l'air d'un con. Mais je crois bien que... Donc là on avait pris à droite les amis. Et là à partir de là c'est tout nouveau. C'est incroyable. Ou peut-être qu'il m'a déplacé près de Gérard Mer justement, je sais pas. Bah ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Je regarderai de nouveau le montage parce que si ça se trouve j'ai fumé la moquette et c'était pas du tout écrit route iconique de M'Kolo et c'était écrit autre chose. Et là on va se reprendre une petite route de nouveau. Wouah. Wouah c'est trop bien. Oh c'est trop bien. Ça c'est le genre de route qui font plaisir. Eh hey, déjà là on se croirait déjà près de chez Gérard Mer. Parce qu'il y a des petites routes comme ça aussi par moment. Par contre il y a des voitures. Ouais il y a des voitures donc la 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 la. Super, parfait, merci pour votre collaboration hein. Ah ça c'est moins réaliste hein. Dans la vraie vie en général c'est pas les voitures qui se poussent hein. Normalement c'est les camions qui sont obligés de se pousser. Parce que les gens ils ont... Ah, bon bref, bande de cons là. C'est à tout le monde de se pousser. Mais c'est vrai. Les gens ils ont peur d'abîmer leur leur pneu tu sais. Ça c'est super stylé là, je roule peut-être un petit peu vite pour l'endroit mais super sympa hein. Dire que là pendant ce temps on serait sur la route en parallèle là, l'autoroute. En train de se faire chier. Alors que là à tout moment on peut faire un accident, c'est ultra fun. C'est ce que je veux dire. Voilà là on serait juste là, là à la place des camions qui passent. Oh là attends, toi je t'ai vu. Voilà, salut copain. Oh là là. Là je passe hein. C'est à moi de passer hein. Un petit klaxon pour la résonance. Ouais. C'était pas trop ça. C'est ultra stylé, je suis tellement content là. C'est sans regret. Hein. Allez, bienvenue à Shoria. Shoria qui va me faire galérer, je sais pas pourquoi. Oh putain, en plus il y a la police. Ok. Ils vont me faire galérer là, je le sens. Hein. Ah bah c'est bon, on a déjà quitté Shoria, c'était rapide. Putain, c'est vraiment la campagne de chez moi là. Waouh, mais c'est incroyable comment c'est chez moi quoi en fait, ça me fume. Non mais c'est dingue. Oh ça fait tellement du bien. J'arrive. Voilà. Je me concentre un peu hein. Pardon, je voulais pas te klaxonner, c'était juste pour avertir. Hein. En vrai, je serais le pire chauffeur, moi, hein, parce que je klaxonnerais à chaque virage. Alors que là, il n'y a pas besoin. Mais on arrive près de l'eau, là. On arrive près de l'eau. Waouh. On va dire que c'est le lac de Gérard Mer. Hein. Ah, il y a les camping-cars et tout, bah tu m'étonnes. C'est insane. Ah, oh regardez, route iconique de Natrob. Beaubourg un jour, Beaubourg toujours. Je connais pas mais j'irai aller voir. Du coup c'est je pense un youtubeur. Peut-être que vous le connaissez, gros big up à lui en tout cas si jamais. Et ça se trouve c'est pas du tout un youtubeur mais en tout cas gros big up à lui. Ça c'est énorme, j'irai aller voir aussi. Hop. Ah c'est trop bien. Beaubourg un jour, Beaubourg toujours. Ça donne une bonne rêve ça à mon avis.
Ah là là, profitez de ça les gars. Profitons ensemble. Que du kiff. Ah, ça me fait penser à la chanson avec Squeezie. Enfin, c'était Joyka et. Putain, je sais plus maintenant. Là. Que du kiff, que du kiff, que du kiff. Que la mif, que la mif. Ah ouais, c'était la vidéo pour faire un hit de l'été. Et c'était pas. Squeezie et Joyka, ils étaient ensemble et c'était pas ça. Eux, c'était Bye Bye, si je te fais du sale. Oh, je me rappelle. Et en fait, c'était. Le gars trop drôle avec. Bien entendu, on a même plus parlé aussi de ce beatmaker qui est incroyable. Hein. Bon, bref, excusez-moi, ça m'a fait penser à ça. Ceux qui ont la ref. Ça fait plaisir. Mais que des bonnes routes là, que des bonnes routes mon pote. Et on arrive à Stellamar. Quand il y en a marre, il y a Stellamar. Excusez-moi, fallait la faire. Oh là là, les routes à la française. Oh là là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, c'est mille fois mieux qu'American Truck Simulator. Mais matez-moi ça, c'est génial. C'est génial. Et le rond-point. C'est... Waouh. J'ai pas les mots, vous allez me prendre pour un con, mais je crois que... Alors, c'est ça, en fait. C'est le choc à chaque fois quand il y a du nouveau. Parce que Grand Utopia, tu vois, quand j'ai découvert au début, j'étais comme un dingue. Et après, à force d'en avoir fait une série, tu vois, de ne que faire de rouler à Grand Utopia et de découvrir plein de trucs, ça faisait plus rien parce que t'avais l'habitude que c'était la France, que nanani nanana. Et là, le fait de revenir, en plus avec des nouveautés, des routes ultra stylées, bah forcément, t'as l'impression que t'en fais trop parce que c'est juste génial, quoi. Et c'est pour ça, c'est vraiment... Mais c'est trop bien, quoi. Natrob. Gros big up à Natrob. Je sais pas si j'ai bien prononcé, je suis désolé. Waouh, la plage. Sur la plage, Coco. Sur la plage, Coco Caline. Le mec trop gênant. Cringe, cringe. Il est cringe. Ah là là. Ça va partir sur TikTok, tous ces trucs-là. Hein. Je le sens. Hein. Ça s'en va et ça revient. Oh, d'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ma promotion, mais. C'est quoi ça? C'est le palais d'Elysée là ou quoi? J'ai pas la ref. Bah j'ai pas eu le temps de lire. J'étais trop concentré sur les camping-car tuning là. Trop bien. Salut collègue, appel de phare. Ok, paye ton vent, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez fini là les gars? Non mais les gars, hey, je vous jure. Est-ce que vous êtes comme moi? Quand vous attendez des notifications, vous êtes triste parce que vous avez pas de notification. Vous êtes là, vous attendez votre téléphone, vous êtes devant le téléphone, vous attendez, il se passe rien. Et en fait, quand tu ne veux pas de notification concrètement, c'est là que t'en reçois un milliard. Alors je vous le dis, hein, entre les DM des meufs qui veulent te pécho, ceux qui veulent... je plaisante. Oh, c'est trop, excusez-moi, vous savez que je suis un comique. Et moi j'aime l'humour avant tout, avant les femmes. Donc c'était pour la blague. Oh là là, c'est magnifique. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Salut collègue, avec ton Scania aussi là, magnifique. Je crois qu'on arrive les gars, je fais n'importe quoi. Je crois qu'on arrive à Gérard Maire là. Je ne suis point sûr, mais j'ai l'impression que le patelin qui arrive c'est Gérard Maire là, non? Y'a pas de patelin. Oh ta gueule. Excuse-moi. Y'a pas de patelin là. Je me suis peut-être un petit peu... c'était un lieu dit là, je me suis un peu trompé là. C'est pas grave, on est bientôt arrivé, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Non pas pour que ça se termine, en vrai là je suis trop content. Mais j'ai ramassé à droite. Ok. Mais juste pour bah, voir quoi. J'ai hâte de voir. Bon déjà là on est sur les hauteurs, c'est comme en vrai. Bon évidemment il n'y a pas la mer. Il hein. N'y a pas la mer. Bah, j'ai ramassé à droite. Zone logistique. Ah d'accord, en fait faudrait aller à droite. Ah mince, quelques petits bugs. Ah on peut pas y aller. Ok, c'est pour descendre. Oui, oui monsieur. Oui, alors imaginez que c'est le lac. Et voilà, en fait, il y a une route, quoi, en fait. Il y a une route qui fait le tour du lac. Et c'est ça, en fait. Bah, faut s'imaginer qu'en face, ce soit pas le vide. Et qu'il y ait aussi... Bah, voilà. Bref, je suis con, je vais pas vous expliquer c'est quoi un lac. Vous savez ce que c'est, un lac. Je suis bête. Mais jusque-là, c'est ça. Il manque un peu d'arbres de forêt, là. Parce que, en fait, c'est dans la forêt, vraiment, c'est magnifique. Mais là, par contre, on est sur les hauteurs. Alors là, c'est pas vraiment Gérard Maire. Là, c'est plutôt le lac Léman, en vrai, hein.
Là, c'est plutôt le lac Léman. Hein. C'est... On dirait, hein. Genre, on est sur les hauteurs... les grandes montagnes super hautes, là. Ça rappelle des très bons souvenirs au mois de juillet. C'est plus ça, pour le moment, que Gérard Maire, mais... Mais c'est ça qui fait le charme, c'est que c'est un combo des deux. Non, là, par contre, c'est Gérard Maire. Super sympa, là. Super sympa. Où c'est qu'on pourrait faire la miniature, vous pensez? On va faire une belle miniature, les gars. Oh, j'ai une idée. Regardez bien ce qui va se passer, ça va aller très vite. Hop, voilà. Et là, le jeu, il plante, t'imagines? ce serait vraiment con que ça plante, pour le coup. Je serais un petit peu triste. Excusez-moi, les gars, pour ma chevelure. Je tente un truc, comme j'ai déjà dit en live, donc pour le moment, je vais pas chez le coiffeur. Si vraiment ça vous dérange, quand ça va être très très long, je mettrai une casquette ou un bonnet, c'est comme vous voulez. Enfin, remarque, un bonnet, j'en ai déjà un. Attendez, bougez pas. Putain, mais c'est vraiment M-Colo le rigolo aujourd'hui. Hein. En fait, je suis tellement excité. My Godness, il m'excite. Alors, à ne pas sortir, évidemment, de son contexte. Oh oui, regardez. Eh, non, franchement, c'est... Eh, je pense qu'il y a moyen. Après, on verra si on en fait une autre. Mais je pense que, pour le coup, celle-là, elle va partir en miniature, hein, très sincèrement. Hein. On va pas tergiverser. Si on change la... Ah, eh, ça donne un peu plus envie. Et encore, je suis pas persuadé. Bon, on va se débrouiller avec ça. En fait, c'est dommage, la ligne d'horizon là-bas qui est cassée. Ah, j'ai une idée. Attendez, excusez-moi, je prends un peu plus de temps que prévu. Non, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on voie pas le fond derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on va faire ça comme ça. Et on va essayer comme ça. Ah, et là, en plus, on voit l'eau. Non, mais j'aimerais trop y aller, en fait. On voit qu'il y a une route. J'aimerais trop rouler là-bas, les gars. Oh, ce serait insane. Je suis sûr on peut descendre, les gars. Et on va y aller en caméra libre. On va y aller en caméra libre. Il va me tuer, my goodness. Il va me tuer. Il voudra pas qu'on fasse ça. Parce que ça va tout casser. Mais parce qu'on va voir peut-être ce qu'il faut pas voir. Mais je vais le faire. Tout le monde aurait envie de le faire. Donc je vais le faire. Désolé. Mais par contre, là, on va quand même descendre sur Gérard Maire. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Déjà 30 minutes qu'on est en vidéo. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes. J'ai l'impression que je viens lancer la vidéo maintenant. Mais c'est terrible. Que m'arrive-t-il? Ok, là le dénivelé en effet, hein, c'est bien de le préciser. Ça descend pas mal. Hein. C'est limité 70, on va essayer de se reprendre une amende. Hein. Bon, on s'en fout, on a de l'argent. Hein. La YouTube money, hein, c'est plus ce que c'était. Hein. Gérard Maire, découverte. Yes, mon pote. On est à Gérard Maire là ou quoi? Incroyable. Représente. Représente. Le caca giratoire qui arrive. Hop là. Oh putain. Bah ouais, mais le camion il prend 30 ans, excusez-moi. Il prend 30 ans à accélérer et tout, c'est infâme. Hein. C'est infâme. Ouais, je critique le camion, y'a quoi? Oh, il est mal garé lui. Le mec il est chiant. Je suis chiant, hein. Ah, je sais. Faut que j'aille où là? Hop. Très bien. Là, on a un truc à découvrir. Vive les points d'interrogation. C'est un Iveco. Rien de bien intéressant. Et voilà, bah on est arrivé. Hein. Trop bien. Et c'est ici que tout s'arrête. Dadidadida. Bienvenue. Bam. Ça, c'est fait. Oui, on va faire une petite... Non, on va rien faire du tout. Moi, je... Eh hey. Pas exagérer. Hein. Pas exagérer des bonnes choses. Moi, j'ai envie d'aller voir en caméra libre. J'ai envie d'aller voir... Alors, attendez. Avant de faire quoi que ce soit en caméra libre, attendez. Est-ce qu'il y a de la route, là? Il y a de la route. Ok. Ok, ok. Il y a de la route. Donc, ce qu'on va faire... Allô? Voilà. On va dételer, évidemment. On va, évidemment, savourer nos statistiques. Magnifique. Et ce qu'on va faire maintenant... C'est qu'on va faire un voyage rapide avec mon camion actuel, parce que là, je suis à Tours. On va maintenant à Gérard Maire, puisque c'est débloqué. On fait un voyage rapide. Votre camion n'est pas prêt pour un voyage rapide, mais je t'emmerde. Ah, il faut que je conduise. Oh ouais, oh bah c'est chiant ça. Bon, alors on va conduire. Enfin, on va attendre. On fait un voyage rapide à Gérard Maire. On fait le tour de Gérard Maire sur les routes qu'on peut prendre, même si on est à vide. Enfin, même si on n'a pas de remorque. Et ensuite, un petit tour de caméra libre. Par-ci, par-là, un petit coup d'œil à droite, à gauche. Je pense que là, on sera plutôt pas mal. A few moments later. Ah, enfin,
De retour les amis, putain, il a fallu que je répare mon camion, etc. C'était terrible. Mais nique ta mère! Ah! Ah, c'est chiant la pluie, hein. Donc je suis allé réparer mon camion et maintenant je peux enfin me téléporter à Gérardmer sur ce magnifique fond rose, incruster ce que vous voulez. Voilà, je vous laisse incruster ce que vous voulez sur ce magnifique fond rose. Ah, voilà, c'est... faites vos meilleurs montages les gars, celle-là je vous l'offre à les cadeaux. Hein. Alors malheureusement il pleut et ça c'est terrible, mais nous sommes maintenant de nouveau à Gérardmer avec mon camion, d'ailleurs mon ancien camion que j'avais donc. Hop, on va allumer les feux. Voilà, c'est par où qu'on sort, c'est par ici. Du coup, c'est juste à côté qu'on a livré. Ah bah tiens, le concessionnaire Iveco. C'est chiant la pluie par contre, mais bon, on va devoir faire avec. Donc là, ce qu'on va faire, on va monter en fait là. Ah attendez, moi j'aimerais trop qu'on finisse là. J'aimerais qu'on finisse là pour faire après la vue. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est trop long pour prendre le truc de l'autoroute. Bah on va aller là en fait. On va tout simplement aller là. Je pense qu'en haut, c'est pas nécessaire d'y aller. Et encore, ah putain. Ah ouais, mais il me fait chier, il veut faire... Voilà, on va monter là. Ici, on fera demi-tour et on ira là. Ok ? Ah, il m'a pas mis dans le sens que je voulais. Hop, on va se débrouiller. Allez, on fait ça. Ça peut être, je pense, assez sympa. On voit rien avec les rideaux, hein. Vous aviez raison, les gars. Les rideaux, c'est pas terrible. Ah ouais, non, mais là, je vois vraiment rien, quoi. Excuse-moi frérot. Par contre c'est chiant la pluie. Vraiment ça va pas me permettre de savourer entièrement comme je veux. Bon après c'est les Vosges hein. Excuse-moi frérot mais voilà quoi. Hop, allez, on quitte Gérardmer mais en fait on va prendre de la hauteur tout simplement. Mais c'est de là où qu'on vient non? Ah non, c'est pas de là où qu'on vient. Pourquoi il va sur la voie de gauche, lui, il est complètement con ou quoi? Il est complètement con, c'est à droite qu'on se met quand on peut pas rouler plus vite. Voyons, voyons. Ok. Très sympa. Bon là, on va faire gaffe en vrai, parce que c'est vrai qu'il pleut et depuis tout à l'heure, je suis en galère. J'ai pas les meilleurs pneus. Donc, on terminera à droite là-bas, d'accord? Ce qui nous mène d'ailleurs à Montgriot. Ok, j'ai pas la ref. Mais on va monter parce que, en fait, je me dis, vu comment la route est... Il y a peut-être un endroit pour se poser, je sais pas. C'est ce que je me dis, hein. Si c'est ça, je suis trop fort. Et pas du tout. Non, il y a rien du tout. Je pensais que c'était un endroit pour se poser, en fait. Je suis un peu déçu. C'est pas grave. On va faire demi-tour, là. On va faire demi-tour. C'est pas RP, mais c'est pas bien grave. Hop. T'inquiète, ça gère. Voilà, c'est un camion tout-terrain, hein. C'est un camion souterrain, ça déchire. Ça déchire tout. Donc là, on va prendre à gauche et on va se mettre en caméra libre. Et ça va être plutôt sympa. Bon, on peut pas faire un petit slash time set. Enfin, un petit wither clair parce que là, la pluie, voilà. Et ça fait 10 fois que je le dis, je pense que je vous ai saoulé. Ouah, ça glisse, hein. Le frein moteur, il fait patiner là. J'ai peut-être mis un peu trop fort là. Et là, je vais aller à gauche. Oh, c'est vrai que je vais aller à gauche. Voilà. Wow, ça va être sympa. Hein. Là, ça va être sympa. Voilà. Et bah, sachez que dans les Vosges, c'est pour ça les motards, on se connaît. Les virages, c'est que comme ça. Hein. Ça n'existe pas autrement. Hein. Bon, après, c'est plus dans la forêt. Hein. Là, c'est pas. C'est plus dans la forêt et c'est ultra stylé. Wow, on a une petite vue. Attends, on verra bien après. On verra bien. Enfin, avec la pluie, je suis pas sûr, mais... Allez, on va aller jusqu'au bout. Je pense qu'on va avoir un point de vue. Ouais, à 50 mètres. Et ben voilà, c'est ça. Génial. Oh là là. C'est insane. Oh là là. Bon, j'ai pas pu freiner, je suis désolé. Incroyable. Bon, enfin, incroyable... Malheureusement la pluie hein, encore une fois mais si... Regardez on va tricher.
On va tricher, on va mettre le mode photo. Et on va enlever la pluie. Je suis un génie, non? Ah bah voilà. Ah, et putain, regardez, c'est rigolo, c'est de là qu'on... Mais attendez, mais c'est incroyable du coup de voir ça. C'est-à-dire que c'est de là qu'on vient. On était venu ici, le rond-point on a pris à gauche, tac, et on s'est mis, on a déposé je sais plus où là-bas. C'est sympa de... Oh là là, c'est stylé. Bon, je pense que la miniature, ce sera celle que j'ai prise tout à l'heure. Bah les gars, regardez, on va se faire un petit coup de... Tu vas rien faire du tout, toi. On va se faire un petit coup de... Hop, de caméra libre. Et ce sera plutôt pas mal. Attendez, moi j'ai envie d'aller près du lac. Enfin, du coup, c'est pas le lac. Il est où? On voit rien avec la pluie. Il est là. Là, c'est censé être le lac. On va dire. Donc là, on n'a pas pu rouler ici, malheureusement. Putain, t'imagines si c'était comme ça? Et là, il a fait Los Angeles, là. Là, c'est Los Angeles, là. Ouais, ok. Bon, c'est pour ça, faut pas y aller en caméra libre. C'est vraiment pas fait pour. Oh. Stylé. Moi, ça me fascine. Hein. Créer des maps comme ça. Créer des maps comme ça, c'est un truc de ouf. Hein. C'est vraiment trop stylé. Hein. Wow. Alors, on va un peu trop loin. C'est incroyable. C'est incroyable, j'ai trop kiffé. Eh ben, bravo, bravo, on va s'en arrêter là. Enfin, parce que ça fait quand même une longue vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, premièrement. Si c'est le cas, et si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment, le petit pouce bleu, s'il vous plaît. C'est super important, ça m'aide, ça m'encourage. Et surtout, c'est aussi pour le référencement, les frérots. C'est vrai que je le dis pas, mais vous le savez, hein, c'est pour le référencement. Les commentaires aussi, même si par derrière, j'aime trop vous lire. Bravo à My Godness, franchement. C'est que du kiff, c'est que du bonheur et voilà, c'est toujours un plaisir de revenir dessus et je reviendrai à chaque fois qu'il y a des nouveautés comme ça qui m'intéressent. C'est juste insane, voilà, c'est juste insane. Je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo, à très vite. Ciao tout le monde!